Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 du coiffeur. Ouvrez cette porte tous, tu es, ouais, elle sait pas quoi faire, elle te tue, ouais. Oh, j'ai un gros souci, ouvrez cette porte tout de suite, on a porté plainte contre vous, vous ne savez même pas quoi faire, bouh, vous savez pas quoi faire. J'appelle la police. Bip, 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 La police, vite, venez tout de suite. Oui, il y a une tonne de gens devant mon magasin. Oui, Noyon, rue de Paris, 60. Oui, merci. on arrive tout de suite. Je crois que c'est ici. Ah oui, dis donc, tout le monde. Oui, ouvrez tout de suite cette porte, on a porté plainte. Allez, ouvrez, vous êtes la pire. Ouh là là, il y a du bruit. Bonne chance, Paul. J'ai pas besoin de chance, hein, je suis le meilleur. S'il vous plaît, arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez! Eh bien, c'est quoi le souci? C'est une escroc! Moi, j'ai été au coiffeur, on m'a demandé 60 euros. Moi, j'ai été au coiffeur, on m'a demandé 50. Et moi, j'ai été au coiffeur, on m'a demandé 120. Non, mais c'est une escroc! Ouais, on en a marre, nous! On porte plainte! Vive la grève! Ouais, on en a marre! Calmez-vous, s'il vous plaît! On va rentrer dans le magasin et s'expliquer avec la femme. Ouais, bah vivement, hein! Elle nous a harcelés, c'est du harcèlement! C'est une ouf! Oh là là, on n'est pas pour les calmer, cela, ouais. Toc, toc, toc. Partez, sinon j'appelle la police! C'est police, ouvrez cette porte, tout de suite! J'arrive! Êtes-vous, vous êtes des faux policiers? Hein, c'est vrai ça? Vous êtes des faux policiers? Non, madame, nous sommes des vrais policiers. Les gens n'arrêtent pas de crier car vous les avez harcelés. Non, j'aurais juste pris l'argent. Madame, l'argent, vous en avez pris beaucoup trop, il paraît. Ce n'est pas vos affaires, ça. Bah si, vous nous avez appelés. Eh ben alors, je vous ai appelé pour calmer tout ce monde, pas pour me faire un interrogatoire, voyons. Pff, la police de nos jours, oh là là. Écoutez tous, nous allons régler l'affaire. Vous pouvez repartir chez nous, enfin chez vous plutôt, et on vous appellera dès que l'affaire sera réglée. Mon collègue est en train de collaborer avec la femme. Enfin, ouais! J'espère qu'elle va nous rendre tout le fric, franchement, l'arnaque, ouais! T'as raison, ouais! S'il vous plaît, calmez-vous et rentrez chez vous! C'est un ordre! C'est bon, madame, tous les gens sont partis. Bon, maintenant vous allez collaborer avec nous. Bon. Ok, et alors? J'ai le droit de voler? Non, je n'ai pas volé, j'ai rien dit. Vous avez dit quoi? Oh, rien du tout. John. Oui, patron. Allez vérifier leur caisse. Enfin, sa caisse. Oui, tout de suite. John? Oui, monsieur. Tu me dis combien il y a d'argent? Oui. Elle a combien alors, John? Elle a 372 euros. Madame, vous êtes en état d'arrestation. Quoi? Mais j'ai travaillé pendant une semaine. Une semaine, avoir 372 euros. Vous êtes en état d'arrestation. Pouh, ça se fait pas, hein? Les mains derrière le dos. John, tu vérifies les caméras. Oui, chef. C'est bon, j'ai toutes les caméras, j'ai les quatre. Et dis donc, elle a volé dans les sacs des autres. Madame, vous êtes en état d'arrestation pour un fouille de sac et arnaque. Quoi, mais ça se fait pas, genre la police, pfff. Je demande un avocat sur le champ. Non, merci, on ne veut pas de votre avocat. Lundi, vous serez au juge. Et c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si elle vous a plu, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et mettez un commentaire et partagez la vidéo, ça fait plaisir. Oh, et puis tant qu'on y est, bonne fête de fin d'année!